qui s'en allaient glaner au champ. Ils sont allés chez le boucher, et sur le soir se sont perdus. Ils sont allés chez le boucher, où Jésus est dû nous loger. Entrez, entrez, petits enfants, y a de la place assurément. Ils n'étaient pas si tôt entrés que le boucher les a tués. Les a coupés en petits morceaux et puis salés dans un tonneau. Saint Nicolas, au bout de 7 ans, va t'apercer dans ses champs. Alors frappez chez le boucher, boucher, voudrais-tu me loger? Entrez, entrez, petit Nicolas, y a de la place, il n'en manque pas. Il n'était pas si tôt entré qu'il a demandé à souper. On lui apporte du jambon, il n'en veut pas, il n'est pas bon. On lui apporte du rôti, il n'en veut pas, il n'est pas cuit. Du petit salé, je veux avoir, qu'il y a 7 ans et ton saloir. Quand le boucher entendit ça, bien vivement il se sauva. Petits enfants qui dormaient là, je suis le grand Saint-Nicolas. Le lutin étendit 3 doigts, les 3 enfants ressuscita. Le premier dit, j'ai bien dormi, le second dit, moi aussi. Ajouter le plus petit, je croyais être au paradis. C'était 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Merci, caméraman. Ça va? Il m'a dit, sois gentil avec maman et papa. Tu auras, c'est promis, des bonbons, du chocolat. Si tu fais des progrès, si tu connais tes leçons, tu auras des jouets et de beaux crayons. J'ai rencontré Saint-Nicolas. Je sais, vous ne me croirez pas. Je l'ai vu dans un magasin et il m'a même serré la main. Moi j'avais tellement peur de lui que je rougis et je n'ai rien dit. Je sais, vous ne me croirez pas. J'ai rencontré Saint-Nicolas. Il m'a dit, sors tes yeux, je surveille tous tes pas. Et me mène à tes jeux, bien que tu ne me vois pas. Ton bon ange gardien me tient au courant de tout. Le mal comme le bien, je sais tout, tout, tout. J'ai rencontré Saint-Nicolas. Viendras-tu chez moi? J'ai préparé de beaux dessins pour toi. Grand Saint-Nicolas, surtout n'hésite pas. Tu sais, chez moi, tu fais comme chez toi. Je te rappelle mon adresse et la rue des enfants. Tu dis que j'ai mis dedans. Ce soir, quand je m'en vais, je préviens que je fais semblant. Et quand j'entends du bruit, je me dis, c'est aujourd'hui. Moi, ça dit ça. Viendras-tu chez moi? J'ai préparé de beaux dessins pour toi. Moi, Saint-Nicolas, surtout n'hésite pas. Tu sais, chez moi, tu fais comme chez toi. Que tu me sens doute tous les jours et que je veux. J'arrive parfois même de t'arracher les cheveux. Comment choisir quand on a vu tout ce qui nous fait rêver? Pour faire passer ce qui nous rend heureux.
grand Saint-Nicolas, viendras-tu chez moi? Je t'ai préparé de beaux dessins pour toi, grand Saint-Nicolas. Surtout n'hésite pas, tu sais chez moi, tu fais comme chez toi. Grand Saint-Nicolas, viendras-tu chez moi? Je t'ai préparé de beaux dessins pour toi, grand Saint-Nicolas. Surtout n'hésite pas, tu sais chez moi, tu fais comme chez toi. Walter Kurzmann, une très très belle fête de Saint-Nicolas. Oui, tout à fait, la tradition est respectée, les enfants sages sont là, donc Saint-Nicolas est venu, on a fait un beau cortège, on lui a remis les clés de la ville pour qu'il puisse aller déposer les cadeaux chez toutes les familles où il y a des enfants sages, et puis là maintenant, tous les enfants profitent du village de Saint-Nicolas pour faire les jeux, pour faire toutes les activités qui sont proposées par le centre socio-éducatif communal. Alors comment ça se fait qu'il y ait autant de monde? Parce que ça mobilise de plus en plus de personnes aujourd'hui. Tout à fait. Alors comment ça se fait? Moi je pense que finalement les familles sont attachées aux traditions, soit attachées aux belles fêtes qui réunissent tous les enfants. Et là on a toutes les conditions réunies ce soir pour avoir une belle fête. Alors on pense déjà à l'année prochaine, Saint-Nicolas, l'année prochaine, encore plus grand, encore plus fort. Alors on espère, on va voir hein, si on arrive à monter un deuxième char, et puis on a quelques idées dans les cartons pour une arrivée de Saint-Nicolas originale. On va chercher ça, toujours plus grand, toujours plus fort, je ne sais pas, mais en tout cas toujours un peu d'originalité, c'est sûr. Alors le village bien sûr a pris ses parures de Noël puisqu'il est illuminé aujourd'hui. Voilà, c'est la tradition aussi, on aime bien que pour la Saint-Nicolas les illuminations soient en place, soient éclairées. Et toutes les illuminations donc étaient éclairées depuis le début de la semaine pour rentrer dans l'ère festive de Noël, depuis la Saint-Nicolas, donc jusque à l'Épiphanie, puisqu'on éteindra les illuminations à l'Épiphanie. On va vous souhaiter un joyeux Noël. Merci, je souhaite aussi un joyeux Noël à toutes les familles de Peltre, à RPL qui nous suit régulièrement, à tous les auditeurs d'RPL, et puis à bientôt pour les vœux du maire également. Huguette, toujours au travail finalement. Et oui, toujours au travail. Enfin, bien contente. Une belle manifestation. Je suis contente. Il y a quand même 140 enfants, 140 adultes. Mais ravis, des gens sont venus, sont marchés. Il a fait un temps pas trop froid, pas de pluie, pas de neige. Si, je pense que c'est une opération réussie. On verra maintenant ce que vont dire les gens. C'était une belle édition cette année? Ben je pense, oui, je pense que tout est parti. Il reste encore un tout petit peu de vin chaud, si vous en voulez. Alors, vous avez des souvenirs de Saint-Nicolas à Peltre dans le passé qui étaient vraiment magnifiques? Ben, ça fait bien 10 ans, ça fait 10 ans à peu près qu'on fait avec le périscolaire. C'est quand même mieux que l'association toute seule. Je trouve que si, ça m'a plu. Les enfants ont l'air ravis. Père Fouettard n'a pas été trop méchant.
Donc tout va bien. Tout va bien. Merci Huguette. C'est moi qui vous remercie. Bon courage, parce que je vous vois en train de plonger là. Eh oui, bah oui, il faut continuer. Enfin, j'ai embauché mon mari qui m'a aidé, alors. Ah, ben c'est pas. Alors, le CSE Les Pelletiaux organisé cette manifestation de la Saint-Nicolas, comment ça s'est déroulé? Voilà, donc nous, hein, en partenariat avec l'Action Familiale, donc je pense que c'est encore une édition réussie. On avait apporté quelques petites nouveautés avec la chorale des enfants à la closerie du Potier. Je pense que ça a donné un beau tableau. Les gens, et au premier contact avec les gens qui s'en vont de cette manifestation, sont tous contents. Et voilà, je pense qu'encore une édition réussie avec tous les bénévoles qui gravitent autour, nos partenaires, voilà, pour une édition encore appréciée des familles. Alors, en décembre, c'est pas fini, donc d'autres manifestations derrière? Voilà, donc décembre n'est pas fini, hein, j'annonçais tout à l'heure au public. Donc en ce qui nous concerne, donc la soirée jeu pour les pré-ados et ados, donc le week-end prochain. Puis s'en suivra la fête de Noël pour le club du troisième âge. Et notre fête de Noël réservée donc aux adhérents de la structure qui finira donc ces animations de décembre en fait.